Binding. Au marché, s'il vous plaît, messieurs. Jafardic. Nowitzki. Nowitzki à 3 points dans le corner. Joli renversé. Et le grand Dirk qui sanctionne à 3 points. Tony Parker qui se promène. Tony Parker ressort pour Michael Léger, la balle pour le shoot à 3 points de Michael Léger, la balle. La sentinelle à 3 points, Michael Léger. Jafardic, et voilà Nowitzki à nouveau. Encore Boris Diaw dans son dos. Sur la gauche. Voilà, c'est fait. C'est raté. Bien, Boris. Bonne dissuasion, mon grand. Deux fois déjà. Bien, ça aussi. Tiens. Bel écran. On aime des écrans comme ça. Hein. De façon ostéopathe. Boris Diaw. Joachim Noah qui joue Chris Kaman. Oh, regardez la dureté de Chris Kaman. Va falloir qu'il arrête, Nosferatu, là. Et Flo Pietrus qui conteste tout, qui piste. Ah, voilà, ouais. Flo, c'est ton rendez-vous, ça. Ouais. Nowitzki. Et ben voilà. Florent, et bien voilà. Florent. Et il y avait une faute qui n'est pas sifflée sur Nicolas Batum. Tony Parker. Back pour Nico. Ah. Il aurait dû le prendre. La faute de Robin Benzing. Et là, ça, c'est pour se décontracter un peu qu'il part péter un dunk. Parce que, comme vous le disiez, ils sont pleins d'adrénaline. Yeah. Kevin Serafin, justement, face à Place. Ah bah, il ne l'enfonce pas. Hein. Ah bah, il ne l'enfonce pas. Il est même à deux doigts de perdre la balle. Bien, et interception de Flo Pietrus. Tony Parker qui joue face à Jafardic. Tony Parker, c'est fort. C'est très fort. Non. La puissance de Kevin Serafin, notre baby Shaq, Mr. K, Mr. K. Il est passé, Flo Pietrus, raté, rebond, rebond de Kevin Serafin et les arbitres qui ont laissé jouer alors qu'il y avait une grosse faute. Faute sur Kevin, là, sur la main. Nico Batum. Cette presse est faite. Oh là, qu'est-ce que c'est que c'est. C'est pas possible, ça. C'est pas possible de perdre des ballons comme ça. Ah, ils mettent de la country music, ça. C'est pour Nowitzki, ça. le Texan. Joachim Noah, la ressort. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Bien, ça. Et le. Oh non, c'est pas possible de rater tout ça. Qu'est-ce qu'il rate. Qu'est-ce qu'il rate. Kaman, non, c'est raté. Honnête, je vais être tout à fait honnête, parce qu'on a affaire à des spécialistes hein, parmi nos téléspectateurs. C'est quand même un match très très laid, mais aujourd'hui, seule la victoire sera belle. Hein. Alors là, je vais vous dire, on n'est pas là pour juger. Allez Boris, faut en mettre un. Oh là là, quelle catastrophe. Il fouette pas. Le poignet part pas. Quand nos ailiers sont bons, on va dire Michael Batum ou Nicolas Gélabal, ça va régler le problème. J'ai la Batum, c'est bien aussi ça. Et la question après, c'est et quoi, si j'ai la Batum, mais bon, j'ai la banane. Benzing, bien défendu Boris Diaw et Joachim Noah. Le cheval d'orgueil. Boris Diaw. Là, il a laissé passer. Hop. La faute de Boris Diaw. On va voir ça. Mais non, jamais de la vie. C'est pas possible. Il ne bouge pas, Boris Diaw. Il vient en aide magnifiquement. Il ne bouge pas. Alors je vais me faire plein d'amis là en disant que c'est un score de match du dimanche matin 26-24. A commencer par Georges qui va dire ouais, mais on en met plus que ça, nous. Hein. C'est Benzing qui défend sur Tony, j'y crois pas. Flo Pietrus, eh ben oui, c'est ça. Il évite le gamin, mais on va voir. Est-ce qu'il va être tenté de le jouer, Tony Parker? Ah, ça, il va être tenté, oui. De toute façon, il est déjà toujours tenté de jouer, mais plus encore, dès qu'un petit est face à un grand, il est toujours tenté de jouer. Le shoot. Oh là là. Allez, mon Tony, allez, mon garçon. Oh là là là, mais il n'a jamais été aussi fort en équipe de France. Marchez. Ne se feras-tu plus par la patrouille. Hein, Tony, il n'a jamais été aussi fort en équipe de France. Hein. Laetitia Bonaparte, pourvu que ça doule. Oui, d'accord. Oui, bien sûr, vous avez totalement raison. Regardez, il est parti pour un slalom. Il est parti pour son slalom, il reste en l'air et la claquette. Non. Parce que l'arbitre avait sifflé. Là, quand même, il va charger l'arbitre. C'est pas bien. Alors, je sais pas si on le reverra. Il va charger l'arbitre. Faut pas rigoler quand même. Bague NBA ou pas NBA, c'est technique. Oui. On peut pas tout lui passer juste parce qu'il a été MVP des playoffs NBA cette année. Vous savez comme on l'adore, Tony.
pas tout à fait le même relief. Un sweep 4-0 contre une équipe qui était vraiment à l'époque que LeBron James et son pauvre Zydrunas Ilgauskas. Voilà. Enfin, ce pauvre. Enfin, faut quand même le faire, même si c'est bien vrai sûr, qu'il avait. Et ça n'a pas le même relief que la formidable aventure de Dallas en battant les 13 amigos, LeBron James, D. Wade. Et j'en ai oublié son nom. L'autre. Le dernier. Et en plus, on se souvient cette année-là, Tony, en face de lui, il avait quelqu'un qui, dont on se souvient plus comme d'un nom de guitare que d'un joueur de basket. Bobby Gibson.